Bonjour Victoire. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel, bonjour Bonjour. Pascal. Alors c'est un jour de victoire anticipée, hein? Oui, j'espère, oui. Donc voilà, je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi et avec toi. Hein? Et bah, je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute. Tu peux commencer par la santé si tu veux. Hein? Par la santé, ben, non. Ouais. Je vais déjà dire, mais. Donc, il y a beaucoup de décès autour de moi. J'ai perdu trois frères et sœurs sur cinq enfants. Et il y avait beaucoup de tristesse. Et puis un père qui a été handicapé, donc qui était absent à ma naissance. Et il y avait beaucoup de tristesse. Et suite à ces chocs, maman, elle hochait toujours la tête en disant non, non, non. Et moi, ça commence à venir de temps en temps. Ça me le fait, ça. J'ai la tête qui part comme ça. Et ça, il paraît que ça vient de Parkinson. D'accord. Ok, Donc, je suis beau. c'est pas qu'elle dit non, 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 tu veux dire qu'elle fait non, non, non de la tête, c'est ça? Oui, elle fait comme ça. Ah oui, d'accord. Ok. Tout le temps, elle faisait ça. Bon, elle faisait, hein, il y a longtemps qu'elle n'est plus là. D'accord, ok. Donc, il y a beaucoup de colère, de mort, de solitude. Je ne me rappelle pas de mon enfant. J'ai aucune, tout occulté. Je suis très émotive, je suis une éponge émotionnelle. Il y a eu de l'inceste aussi. Mari alcoolique, donc gros problème de couple, beaucoup de Quand tu parles manipulation. d'inceste, c'est vis-à-vis de qui? D'un Enfin, frère. de la part de qui, je veux dire. Frère. C'est comment? Un frère. Frère, d'accord. Ok. Et ça a duré longtemps? Non, non. À 13 ans. Tu avais 13 ans? D'accord, ok. Ok. Alors, après, Alors, écoute. mari alcoolique, donc gros problème de couple, manipulateur. C'est une relation karmique. J'ai déjà fait plein de choses. On a déjà essayé de me nettoyer, mais bon, je retombe tout le temps dedans. On verra ça. On est différents et on est les opposés et j'ai l'impression qu'on est pareil. Quand tu dis que tu es pareil, c'est que vous êtes pareil dans quel sens tu te sens pareil? En quoi tu te sens pareil avec lui alors? Quand tu dis que vous êtes opposé. On a plein de points communs et on est les opposés. On se supporte pas et personne n'arrive à partir. On reste là. Il paraît qu'il a fait de la magie noire sur moi. Je ne sais pas que si c'est jusqu'à la mort. Ok, magie noire, ok. On va regarder ça. Hein? Alors je suis donc c'est vraiment gros, hein, nous deux. Hein, on ne se supporte pas. Il n'y a aucune communication. C'est que de l'agressivité. Il me rabaisse sans arrêt et tout. D'accord. Et donc, lui, c'est ça. Et moi, je me suis tournée vers la. Avec les chocs que j'ai eus, là, je me suis tournée vers la boulimie. Alors, depuis là, depuis mon adolescence, je sais obsessionnel mon poids. Et j'ai tout fait, tout ce qui existe. Et plus je veux faire, et moins ça marche. D'accord. Et OK. donc, cette année-là, j'ai pris depuis 3 ans, depuis décembre 2018. Je fais des boulimies quotidiennes, quotidiennes, quotidiennes. Je me suis détruit complètement l'appareil digestif. J'ai pris 13 kilos. Et c'est une obsession. Hein, ça. Et avec le Covid, j'ai déjà commencé, moi. J'avais déjà commencé avant qu'il y ait le confinement. Moi, j'étais déjà dedans depuis décembre 2018. Je me suis isolée complètement. Je ne vois plus personne. Tu veux dire Donc. quoi que tu avais quoi dedans depuis 2018? Ah ben je reste là, je reste là, je fais plus d'activité, plus rien, j'ai Ah, envie tu veux de dire rien. tu t'es autoconfiné, c'est ça? Oui, Tu oui. te confines? Ah, d'accord, ok. Est-ce que tu as été inoculé? Non, alors Non. justement, il n'y a que moi dans la famille qui n'y suis pas. Tout le monde est contre moi, mes enfants, j'ai des gros problèmes pareil avec mes enfants. Ils me prennent pour une folle, une illuminée, il n'y a que moi qui suis un peu dans la spiritualité.
On me prend que je fais partie d'une secte, que je vois que des gourous, que des vraiment affaires enfermées qui me disent. Combien est-ce que tu as d'enfants? Deux. Deux enfants, garçon, fille? Deux garçons. D'accord. Et ton mari est inoculé lui aussi? Alors oui, ah ben, tout le monde y est. Il veut, même mes petits-enfants, les autres qui sont tout petits, ils veulent le faire. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour qu'ils y échappent? Bah, ils seront invités à la séance si tu veux, comme je fais d'habitude. Après, ils sont libres. Hein. Si l'expérience est choisie par le soi, on n'y peut rien, tu vois. Alors non, moi j'essaye de tenir jusqu'au bout si on nous oblige pas quoi. Et donc tous mes amis, pareil, j'ai personne, je suis seule, vraiment seule. Et tout le monde me fuit parce que je suis la pestiférée quoi, que je ne fais pas comme les autres. Ok. Alors, autre point. Alors je suis très attirée par les médiums. Hein. Et j'ai déjà fait beaucoup de soins. Je suis dans les excès. Hein, alors, il paraît que je suis une nettoyeuse guérisseuse et passeur d'âme. Est-ce que c'est pour ça que j'attire tout, que j'ai plein de problèmes avec la mort, avec les décès? Je ne sais pas. La commune a changé mon nom de rue. Et j'ai fait des rénovations dans ma maison en même temps. Et est-ce que je devais pas faire ça ou quoi? Est-ce que je dois partir? Parce que il y a eu plein de conflits. Il y a des malfaçons, des retards. Les ouvriers veulent plus terminer les travaux. J'ai plein de problèmes avec l'eau et l'électricité. Tous mes appareils ménagers, ils sont HS l'un après l'autre. Mes volets électriques, un jour ils marchent, le lendemain ils marchent pas. J'entends des bruits dans les murs. Est-ce que c'est les ouvriers qui m'ont ramené des entités? J'en sais rien. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-dedans. D'accord, on verra ça. Ok, tu m'as dit que tu as de l'eau stagnante dans l'environnement, c'est ça? Oui. Ok, c'est... Donc, je ne suis pas ancrée du tout. Hein. J'ai aucune mémoire ni concentration. Si je regarde un film, j'ai le cerveau blanc, j'ai pas beaucoup de ressenti. J'ai l'impression d'être sur une autre planète. Si je lis quelque chose, si je regarde un film, je lis, mais on me demande ce que j'ai lu, je ne peux pas le dire. D'accord. Je pense ailleurs. Je me disperse dans tous les sens, je me sens nulle, incapable, c'est le mental ego qui est surdimensionné, qui prend le dessus. Donc j'achète, et puis voilà, je fais des formations, j'achète, et dès que je l'ai, ben, ça ne m'intéresse plus. J'ai envie de rien, je suis un peu en dépression, la solitude. D'accord, ok. Donc mes sacrées addictions et dépendances, ben, ça m'a détruit tout l'appareil digestif, je suis en autodestruction, beaucoup de honte. Donc je ne connais pas la faim ni la satiété, je me remplis comme un puits sans fond. Dès que j'ai mis quelque chose à la bouche, jusqu'au coucher, je mange. C'est ou je ne mange pas, ou voilà, c'est tout l'un ou tout l'autre. D'accord. Donc, et quand tu manges, tu te fais revomir derrière ou... Non, ça je ne Non, jamais. Même pas, non. Non, ça jamais. Non, j'en peux plus. Comme je n'ai pas la faim ni la satiété, ben je mange, je ne sais pas. Je vraiment jusque quand j'en peux plus. Alors, je suis donc c'est les conséquences, ben, acidose, l'estomac dilaté, l'intestin, le foie gras, le pancréas, la rate, tout l'appareil digestif. Alors, est-ce que c'est une entité qui se nourrit, qui me fait manger? On verra ça. Diabète, hypertension, tout ça, quoi. Ok. Je m'empoisonne. Hein, Bien. J'ai des nodules froids sur la thyroïde. J'ai été opérée, j'en ai plus que la moitié et c'est revenu. Je fais des allergies au froid et des allergies au soleil. Là, depuis une paire de jours, ça m'avait déjà fait, c'était passé et ça revient. J'ai des démangeaisons au chakra du cœur que je gratte jusqu'au sang. Bien.
Et le sommeil très agité, et je me réveille en transpiration en ce moment. J'ai des gros soucis de peau aussi, des carcinomes, les cancers de la peau. J'ai déjà été sans arrêt, il faut me les enlever. Là, j'en ai encore un qui vient, qui est là. Alors, j'arrache et puis ça guérit pas, ça creuse. J'ai des cicatrices partout. Surtout sur le visage. Le visage, le cou, les bras, les jambes. Ah oui, d'accord. On m'a dit que j'avais là, tu vois, j'ai l'acné rosacée, je suis tout rouge quand je suis là, des ailes de papillon. Et on m'avait dit que j'ai été faire des examens, c'est limite si c'est un lupus. D'accord. Donc, j'ai des problèmes aux yeux, j'ai un début de DMLA. C'est quoi ça? La DMLA, c'est la macula, là, on peut devenir aveugle, là. Ah d'accord, ouais, je perds le nom. Je vois ce que tu veux dire. Ok. L'espèce de peau qui se met dans les yeux, là. Non, C'est ça? c'est pas Non? du tout ça. Non, non, Non? non. La DMLA, la macula, c'est. Après, il faut faire des. Il y en a qui on leur fait des piqûres dedans. On peut devenir aveugle. Non, Ah c'est pas bon? la cataracte, hein, c'est pas Ah ça. d'accord. C'est la macula, je vois des fois, je vois un escalier. Oui. Donc j'ai été opérée de la myopie parce que j'étais beaucoup très myope. OK. Myopie, astigmatisme, et donc ça me. Je vois des fois je vois tout trouble, hein, j'ai un voile devant les yeux, je vois un escalier. Donc j'ai une mauvaise circulation, varices, œdème, des grosses jambes, rétention d'eau. On m'a dit que je risquais des AVC. Et dès que je me cogne, j'ai des hématomes. D'accord. Les dents qui se déchaussent, des infections aux racines. J'ai un choc à une incisive la droite. Elle est noire, elle est morte. Donc, ils voulaient m'arracher ça, mais bon, si on peut faire quelque chose. J'ai des douleurs très importantes au pied gauche. C'est beaucoup tout le côté gauche aussi, mes soucis. Hein. J'ai le pied déformé. Et j'ai de l'arthrose, l'hallux rigidus, et j'ai du mal à me chausser, je ne peux plus faire de randonnée. Bon, ça fait beaucoup de choses. Enfin, T'as encore encore, j'ai pas beaucoup? fini. Ben, j'en ai encore, j'ai de Non, non, l'arthrose. non, mais, non, mais pas trop, parce qu'on va pas, ça va pas être possible, hein. De toute façon, sache que, voilà, tu me dis l'essentiel, le reste va se traiter aussi en même temps. Parce que si D'accord. tu me fais tout le dictionnaire, on va pas s'en sortir, tu vois. D'accord. Bon, Tu m'as donné l'arthrose, l'essentiel, là, hein? ben oui, pas, oui. Hein? J'avais Après, bon. avant, je faisais souvent des sinusites, angine, bronchite aussi. Hein, D'accord. j'ai Ouais, pas mais de je pense souffle. que beaucoup de choses C'est sont reliées et lié bon, hein, tout ça. voilà. Oui. Donc, Donc est-ce que j'aurai un jour le bonheur de rencontrer la bonne personne et changer de lieu de vie? Je sais pas si. bah, écoute, déjà Voilà. on fera ce qu'il faut, puis le reste, c'est toi qui nous le diras, D'accord. hein? Ok. Ok, bon, mais je pense que là, ça va être bon, parce qu'il y a D'accord. beaucoup de choses, D'accord. d'accord? On ne peut pas Merci faire des beaucoup. séances de 5 heures, hein. Oui. Donc, ok, Oui. sachant que beaucoup de choses ont la même origine, donc quand on traite une Oui. chose, beaucoup d'autres s'en vont avec, hein, donc, d'accord? D'accord. Hein? Merci beaucoup. Alors, je te laisse couper le son et on part pour l'aventure. Allez. Ça ne veut pas s'arrêter. Bon, alors les invités, Francine. Alors les invités, ben mes enfants, mes petits-enfants. Tu en as combien en tout? Dans les deux enfants J'ai deux enfants et cinq petits-enfants. et cinq petits-enfants. Hein. Mon mari, ma famille, Plus leur ceux qui veulent. partenaire, évidemment, je suppose. Hein. Comment? Tes enfants plus leur partenaire. Oui. Hein. Plus ton mari, alors tu as dit?
Oui, et puis la famille, ceux qui veulent venir, les Famille en amis, les général, amis du cœur, d'accord. voilà. Ok, Et et... ce que j'aurais voulu, mais on a le droit qu'à deux, parce que comme j'ai eu trois frères et sœurs de, j'aurais bien voulu mes trois frères et sœurs et mes deux parents, c'est pas possible. Non, 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 n'exagère pas. Non, c'est deux décédés, pas plus. Hein. Tu choisis deux. Oui, On mais peut parce que pas c'était en faire lien une avec tradition. mes, comme c'était en lien avec mes problèmes, c'était, j'aurais voulu pourvoir pourquoi. Oui, non, mais on va traiter à ton niveau, à toi, si tu veux. Hein. Voilà. Même si d'autres acteurs sont de la famille, c'est pas eux qu'on va traiter, c'est toi. Donc, D'accord. Bon, bah mes deux parents, alors. tes deux parents, voilà. Je suis obligé de mettre des limites, autrement on ne peut Oui. pas. Tiens, voilà. Donc, et ta famille en général, et les amis, tu as des amis que tu veux inviter ou pas? Eh bien, les amis, ceux qui veulent venir, les amis de cœur. Amis de cœur, ben voilà. Très bien. Eh bien, c'est bon, tu peux couper le son. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. Trente-sept mille huit cents. 37 800, ok. Connecte-toi à moi et dis-moi à combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. Oui. À présent, connecte-toi sur Victoire. Oui. Comment la vois-tu? Elle est en dessous de quelque chose qui est puissant et ailé. Elle est sous l'emprise d'un draco. Ce draco, il est littéralement, il la recouvre, il est posé sur elle, agrippé à elle. Derrière le dos, au niveau du chakra du cœur, il est agrippé là. Il est dans une sorte de vol immobile, ou en tout cas sur place. Et à chaque battement d'ailes, c'est comme si c'était rythmé. Ça lui aspire de son énergie. OK. Il est agrippé à elle via une sorte de. C'est comme s'il était agrippé à une sorte de grillage qui vient la recouvrir complètement. Sinon, son énergie à elle serait trop glissante ou quelque chose comme ça. Donc, il y a la nécessité d'avoir cette interface qui est comme une grille sur laquelle il peut s'accrocher et qui lui permet d'avoir accès à elle, à ses énergies. D'accord. Que vois-tu d'autre? Cette grille, elle est coupante pour elle. Ça vient couper ses corps subtils, les couper, les cisailler. Oui. C'est comme si elle était à l'intérieur d'une sorte de prison dont les barreaux sont agressifs et coupants pour elle, OK. contre elle. Elle est en train de flotter entre deux, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de connexion terre-ciel. Elle produit sans arrêt de l'énergie de façon presque désespérée et toute cette énergie est captée par cette entité-là. C'est le fait de sa boulimie, c'est ça? Oui, c'est comme une nécessité. C'est-à-dire qu'elle pompe son Oui. énergie et elle compense en Oui. se remplissant, c'est ça? Oui. Ok. Tout est sombre et presque noir d'un point de vue fréquentiel. Ce sont les ailes de cette entité-là qui la recouvrent complètement.
Okay. Ça la maintient dans des basses fréquences. Il y a d'autres entités aussi qui sont là, qui sont des entités démoniaques, qui sont comme des sortes de parasites qui profitent de cette situation pour en tirer profit et qui viennent elles aussi se nourrir sur elles en énergie. Mmh. Ok. Quoi d'autre ? Ben c'est tout. Il n'y a pas de dispositif à l'intérieur d'elle, à part cette grille qui l'entoure ? Non. C'est cette grille dont les barreaux sont coupants, qui, comme des couteaux, viennent traverser tous ses corps subtils jusqu'à venir attaquer sa physicalité. Ce n'est pas des dispositifs en tant que tels. D'accord. Et depuis quand ce Dracos est en prédation avec elle la toute première fois ? Je compte à trois, ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3. C'est lors d'une désincarnation où elle était en tentative de fuir de la matrice artificielle. Elle est combien de vies, ça ? 13. Il l'a captée juste au moment où elle allait réussir. Ah oui. Elle allait réussir à s'échapper de la matrice artificielle. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a fait pour pouvoir y réussir ? Elle est partie verticalement, tout droit, toujours sans s'arrêter. Oui. Mais lui, l'attendait. C'est comme s'il l'avait vu venir de loin. Il l'attendait à la sortie, quoi, en gros. Oui. Et il a déployé cette sorte de filet qui se refermait sur elle comme une cage. D'accord. Donc là, il n'y a aucun consentement, rien du tout, hein ? Non. Ok. Donc, il y a 13 incarnations. Oui. Combien est-ce qu'elle a eu de vie humaine en tout sur Terre, dans cette boucle de manifestation du soi supérieur, bien sûr ? 42. 42 vies en tout. D'accord. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice. Je compte à 3 et tu y vas. Avant la fausse matrice, sous quelle forme et d'où elle vient ? 1, 2, 3. C'est un humanoïde à polarité masculine. Il y a une sorte d'armure. Tu sais, un petit peu comme ces armures du Moyen-Âge qui sont articulées. Oui. Et en tout cas, ça apparaît comme ça. D'accord. Et c'est beaucoup plus souple, les articulations sont plus souples que les armures du Moyen-Âge. Donc c'est un humanoïde guerrier, tu veux dire ? Oui. Il n'y a pas son apparence directe qui arrive. Elle est complètement englobée, enserrée et cachée, en fait, dans cette armure. D'accord. Et d'où est-ce qu'elle vient ? Uranus. D'accord. En quelle dimension ? 6e dimension. D'accord. Est-ce que tu vois qu'Uranus, par elle-même, a une densité de 3 dimensions ou pas ? Non. Qu'est-ce qu'elle fait là dans cette armure ? Si tu vas sur Uranus, par exemple, est-ce que tu la vois en armure ou pas ? Non. Comment tu la vois sur Uranus ? Enfin, je le vois puisque c'est un humanoïde, mais bon, on parle de victoire. Il est vêtu de... Ça ressemble un petit peu à ces toges romaines. Ah. Bien que ce soit différent, mais il y a quand même des similitudes. Mmh. Les vêtements sont amples, recouvrent le corps. Oui, c'est comme des sortes de toges.
Ils sont tous comme ça, habillés comme ça. D'accord. Mais c'est quoi ses occupations en ce qui le concerne? Est-ce qu'il a des fonctions particulières, des centres d'intérêt? Il y a des participations à des groupes d'études et de réflexion. D'accord. Sur quoi? Sur le fonctionnement, il y a quelque chose de scientifique dans ces groupes d'études sur le fonctionnement de l'univers, des cycles, des planètes elles-mêmes, des étoiles, des systèmes solaires. D'accord. Et comment est-ce qu'il s'est retrouvé de cet endroit-là en toge jusque là où tu le vois dans cette armure? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le désir d'expérimentation sur le terrain. Ah, c'est là qu'il est parti sur le terrain. Oui, sauf qu'il n'a jamais expérimenté autre chose que cette sixième dimension. Et pour voyager, c'est comme si ça avait été un élément nécessaire, une protection nécessaire, qui à la fois est une armure et à la fois lui permet de se déplacer. C'est un vaisseau spatial individuel en même temps. D'accord, c'est pas vraiment une armure alors. C'est les deux. Ok. Comme s'il y avait des parties rétractables ou que c'est plusieurs fonctions. Et il est parti seul ou à plusieurs? Seul. D'accord. Et Qu'est-ce qu'il a voulu? il y a à intervalles réguliers, il y a ce type de départ qui sont considérés comme étant des expériences, puisque lors des retours, ça apporte du nouveau et du concret dans ces cercles d'études et de réflexion. D'accord, leur objectif c'est quoi alors? D'avancer dans la connaissance. Ok. Donc qu'est-ce qui lui est arrivé en partant dans son vaisseau spatial individuel, ce genre d'armure en même temps? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve en incarnation sur Terre? Il y a eu perte de la maîtrise de cette armure vaisseau. C'est Il y a comme eu un si problème technique. pas réellement technique, puisque cette armure vaisseau fonctionne par commande neuronale. Il y a eu perte ou dysfonctionnement de cette commande-là. C'est comme si ça s'était coupé, la communication s'était coupée entre elle ou plutôt lui et le vaisseau lui-même. La commande s'est coupée. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se coupe? Je sais pas, je perçois simplement que la communication s'est coupée. Ok. Elle devient irrégulière, puis elle se coupe. Donc ce vaisseau, on peut appeler ça comme ça, se met en mode de fonctionnement automatique, comme en pilote automatique. Ouais. Et à partir de là, automatiquement, cherche un point d'attache ou un point d'atterrissage. Ah oui, d'accord. Donc c'est le vaisseau lui-même qui se dirige vers l'espace terrestre et qui vient se placer de lui-même dans l'espace terrestre. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Arrivé dans l'espace terrestre, il y a destruction de la structure du vaisseau et la conscience qui est à l'intérieur est récupérée et intégrée dans les roues d'incarnation. Ok. La première incarnation, c'est en tant qu'humain ou de sous une autre forme? En tant qu'humain. Reviens ici maintenant. Oui. Alors donc,
est-ce que tu as d'autres choses ou as-tu d'autres informations qui pourraient nous être utiles? Ou est-ce que tu fais le tour? Tu as fait le tour? Scanne-la encore. On regarde s'il y a d'autres choses. Son chakra, par exemple, sa glande pinéale, pituitaire. Comment est-ce que tu les vois? Désorganisé. Il n'y a pas de. C'est tellement désorganisé qu'il peut même pas y avoir l'installation d'un dispositif quelconque dessus. D'accord. De quelle manière est-ce qu'il la repère lors d'une désincarnation? Parce qu'elle prend un chemin qu'elle ne devrait pas prendre. C'est-à-dire qu'au lieu de retourner en quelque sorte sagement dans les roues d'incarnation, elle prend un chemin différent, en droite ligne. Non, mais qu'est-ce qui lui permet au Dracos de la repérer lorsqu'elle se désincarne? Cette structure reste accrochée, elle reste là, cette sorte d'interface. Ok. Et donc à C'est chaque... l'interface qu'il repère. Ah oui. Donc à chaque désincarnation, elle part en ligne droite, c'est ça? Non, ça c'est quand il l'a repéré la première fois. Ah oui, d'accord. Mais je te parle après, dans les autres, à l'issue des autres incarnations, il la repère avec cette grille qu'il a installée. Oui. D'accord. Et ensuite, il en fait ce qu'il veut. Oui. Bien. Alors, il y a d'autres choses ou pas que qui restent à voir ou pas? Pour l'instant, non. Alors, regarde son ADN éthérique, confirmant qu'il s'agit bien d'elle, de Victoire. Oui. Est-ce que tu vois que son ADN a été trafiqué? Est-ce qu'il y en a une portion qui ne serait pas de son essence, par exemple? Non, il est abîmé, mais pas trafiqué. Bien. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Ok. Donc en son nom, puisqu'elle me donne sa permission, je vais convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archaïvélique, qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non. Elles n'ont pas le choix, je compte à trois et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Mais il y a celles qui ont déjà été citées. Voilà, le Draco, c'est donc les démoniaques. Oui. Ensuite, qui d'autre? Il y a des désincarnés aussi qui sont bloqués dans cette bande de fréquence et qui entrent et qui sortent de son espace énergétique. Il y a aussi des sortes de parasites gluants, comme des sortes de vers blanchâtres, et qui se déplacent, qui eux aussi cherchent à capter de son énergie, eux aussi cherchent à se nourrir. Où est-ce qu'ils Ils se sont? dé Dans quelle partie du ils se corps? dé ils se déplacent dans son système digestif, là où a lieu la transformation d'énergie. D'accord. Et en arrière-plan, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan archontique. Bien. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement. Consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les couches, toutes les boucles, dans toute ligne de temps, toutes les vies, toutes fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, et dans tout ce qui est connu et inconnu en général. En ouvrant grand portail dimensionnel et toutes les entités, vues et pas vues, jusqu'au plan archaïvélique, tout dispositif, vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience ou information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreintes, échos, résonances, réminiscences, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. Je compte à trois et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Nous la plaçons dans une bulle christique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur des Gaïas et aspire énergie, substance, structure, vitalité.
Oui. Et elle se connecte à la source et se souvient de qui elle est. Donc elle fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend de l'énergie, se restructure, se ravigore et se souvient de qui elle est en essence au-delà de toute forme. Oui. Comment la vois-tu à présent? Il y a quelque chose qui s'est stabilisé et éclairci dans son espace énergétique. Ce n'est plus trouble et secoué en tous sens. Okay. Maintenant, c'est posé, stable et clair. Alors, avant de continuer, je veux que tu regardes le Dracos, je veux savoir comment il réagit à la situation. Il s'est immobilisé et il a resserré les griffes. Il a resserré les griffes. Oui, c'est-à-dire mais il a resserré les griffes sur son interface. Et cette grille d'interface qui se trouve à l'extérieur de sa sphère énergétique à elle. D'accord, très bien. Alors justement, j'allais te demander. Donc il ne fait que ça, il resserre les griffes, c'est tout ce qu'il fait. Il s'est arc-bouté pour figer toutes les lignes de temps qu'elle prendrait. D'accord, très bien. Ok. Alors, est-ce que déjà, tu scannes là, à part. Donc, scanne là, dis-moi tout ce que tu vois qui reste. Donc, dans sa sphère énergétique à proprement dit, tout est clair et correct. C'est à l'extérieur qu'il y a la structure de cette interface de grille coupante. Avec ses résonances et ses échos. Ok. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans comme précité, avec trace mémoire, etc. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Maintenant, regarde. Est-ce que tu vois quelque chose encore? Non. Quand tu dis qu'il a pris des dispositions pour figer toutes les lignes de temps, est-ce que tout ça s'est effacé ou non? Il reste comme des morceaux de glace qui flottent encore. Alors, on va les éliminer. En ce qui concerne les autres lignes de temps, est-ce que tu vois qu'à part ça, elles sont dégagées maintenant? Elles sont dégagées, oui. Alors, on élimine ce qui reste. 1, 2, 3. C'est fait. Vérifie maintenant. C'est bon. Est-ce que tu vois que le Draco, c'est tout ce qui était, tout ce que tu as vu, a complètement disparu de son champ de réalité? Oui, il n'y a plus rien. Parfait. Alors, donc maintenant, on va regarder son soi supérieur et je veux savoir sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Il est sur le plan archiavélique, immobilisé, bloqué. Ok. Il a voulu descendre, c'est ça, pour intervenir? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. C'est ça. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est, le mot qui vient, c'est froissée. Elle est désorganisée dans sa structure, qui est froissée dans une sorte de mal-être et de repli sur elle-même. Et sa partie subliminale? Elle aussi est désorganisée dans sa structure énergétique. Elle est comme, c'est comme si elle avait pris un choc et qu'elle était penchée sur le côté en déséquilibre. Ok. Alors, comme le soi n'est pas en position de prendre une décision, puisqu'il est bloqué sur le plan archaïque, nous allons prendre des décisions pour lui. Donc, nous allons partir du plan morontiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec... Donc, l'accès à tout son potentiel intérieur dans un parfait équilibre, une santé parfaite et l'amour qu'elle est. Donc, je compte à 3 et on y va. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, de ce plan morontiel, je suppose qu'elle sait pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que victoire.
pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à tout son potentiel intérieur, dans son unité, dans une santé parfaite, un équilibre parfait et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle ? Oui. Alors on y va. En mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ou énergie de la fausse matrice. 1, 2, 3. C'est fait. Bien. Maintenant, sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Victoire. Trouver son équilibre et maîtriser sa puissance dans l'expérience de l'incarnation humaine. Très bien. À quel moment choisit-elle d'entrer dans sa physicalité à 100%? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%? Oui. À présent, elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Maintenant, nous allons regarder son arbre généalogique. J'aimerais que tu me dises comment tu le vois. Il est enserré dans quelque chose de lourd, d'oppressant. C'est comme une succession de cellules énergétiques individuelles et dans chaque cellule est enfermée une conscience rattachée à la lignée. D'accord. C'est comme si l'arbre lui-même était une prison avec de multiples cellules. Bien. Qu'est-ce que ça crée comme problème à toutes les âmes qui sont accrochées? Ça vient isoler et mettre en état de vulnérabilité chaque conscience humaine. Donc ça vient les affaiblir, les placer en état de peur, d'anxiété, d'agressivité aussi, mais pour la survie. Il y a de l'anxiété aussi. Enfin, ça vient affecter chaque conscience incarnée négativement à tous les niveaux. Bien. Alors, demandez à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Alors, tu vas aller à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. Bien. Nous sommes à combien de générations en arrière ? 53. 53 générations. Bien. Qu'est-ce qui se passe là alors? Il y a une... C'est comme si la lignée se trouvait dans une zone remplie de morceaux de glace flottant et coupant et qui obéissent à distance, qui viennent se placer autour de la lignée, mais comme dirigée à distance, pour mettre cette structure de multiples cellules en place. Qui est à l'origine de cette situation? C'est de type reptiloïde. Bien. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre, cette lignée est parfaitement libre et ni même encore repérée? Oui. Tu vas à ce moment-là et tu t'adresses à l'arbre. Tu lui montres donc les informations de ce qui peut se produire si rien ne change. Et tu lui proposes de trouver une solution pour que cela n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Il y a comme un changement de ligne de temps. Il y a comme une prise de conscience qui génère une montée en fréquence et un changement de ligne de temps. Bien. Alors bien sûr, là, il est hors de la réalité de tous ces reptiloïdes, c'est ça? Oui. Très bien. Alors on va compléter ça par une connexion de la lignée de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice, amour, touché en plein cœur et dans sa conscience,
Qu'est-ce qui se passe pour lui et pour chaque conscience qui sont accrochées? Il y a un allègement qui se fait. Il y a comme un flot d'énergie. Il y a un flot d'énergie vitale, puissante, qui parcourt toute la structure de la lignée. Et ça vient impacter chaque conscience qui est rattachée à cette lignée. Bien. Alors, reviens ici et maintenant. Oui. À présent, je veux que tu regardes Victoire et que tu me dises comment ça l'impacte, elle et bien sûr sa descendance et ses collatéraux. Il y a une légèreté, comme un souffle d'air frais, puissant et pétillant. C'est comme une libération. C'est toute son énergie. C'est comme un courant d'air frais dans toute sa sphère énergétique, pour elle, mais aussi sur toutes les consciences incarnées. Bien. Alors, elle va enrouler son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Maintenant, demande-lui ce qu'elle veut faire avec cet arbre. Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le coupe à 60%. Et pour la partie restante, elle met de l'information à disposition. C'est fait. Parfait. Alors maintenant, on va regarder son ADN. Qu'est-ce qu'elle choisit pour son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Ou est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait. Alors on élimine l'ancien. Avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui. Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices présentes, combien sont connectées et combien sont activées? Il y en a 5 connectées et 3 d'activées. Elle peut activer les deux autres? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également. Mais c'est fait, c'est des programmes de renforcement et de stabilisation. Parfait. C'est fait. Bien, à présent, on va s'occuper des programmes archontiques et de ceux de l'intelligence artificielle. Tous ces programmes de limitation, séparation, dualité, tout ce qui ne permet pas l'expression, l'expérience et l'expansion humaine et de toutes ces autres parties. Est-ce qu'elle est OK pour s'en débarrasser? Oui. Alors, on élimine tout sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Et elle les remplace par ses propres programmes avec sa propre essence. Oui. Elle enroule à présent son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de ses propres sources. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. C'est fait. À présent, elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 82%. Alors, elle monte à 100% tout en vérifiant ses racines. Oui. À présent, elle s'apprête à venir au monde. Elle envoie de l'amour dans le ventre maternel et dans l'environnement. Elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant en se souvenant de qui elle est en essence au-delà de toute forme. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, un équilibre et une santé parfaite, la puissance créatrice et une créativité illimitée et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Et nous allons éliminer l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, dépassés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles,
toutes les couches, toutes les vies. Elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toute fréquence, toute dimension, tout espace-temps, toute bulle de création, avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Te connecte sur Victoire. Oui. Et je vais conseiller à Victoire donc, d'être pleinement présente, participative, hein, c'est-à-dire vivre, imaginer, ressentir et bien sûr acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter également pour elles-mêmes. Rompre et effacer. Tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, promesse, alliance, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archiavéliques, les lois du karma, avec tous les égrégores et les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que celles précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité. 1, 2, 3. Voilà. Alors maintenant, nous allons procéder à l'annulation de toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. À présent, vérifie s'il reste des copies ou des parties d'elle quelque part. Non, il n'y en a pas. Bien, alors nous intégrons tout cela dans les différents états de conscience. Oui. À présent, elle déclare. Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute « J'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations ou associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, emmenant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. » Oui. À présent, nous allons aborder la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Victoire, tout y est proposé. Elle fera elle-même la différence. Elle déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. » Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire du souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre.
Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. Maintenant, elle déclare, je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, de légèreté et de tout ce que je veux. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant, je suis libre. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare, de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales, dans toutes les vies, toutes les boucles, toutes les couches. C'est l'absolution totale pour moi et pour tout le monde. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux. Et qu'il n'y a que des innocents, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection, et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus productif. Oui. Et je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. Maintenant, elle déclare. Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. Maintenant, nous allons effacer les mémoires akashiques. Elle ne conserve que ce qu'elle estime juste et bon pour elle. Et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Poum, a plu. Alors maintenant, on vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archaïques ou tout autre moyen de la repérer. Non, il n'y en a pas. Maintenant, elle va donc intégrer tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Dis-moi, comment tu le vois de ton côté? C'est une forme humaine
Elle crée les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Bien, donc elle lui demande de procéder aux équilibrages, harmonisation, réajustement, nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, sa biologie, de tous ses systèmes, fonctions, organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double lémniscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Un contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. Oui. Un autre contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nocive, quelle qu'elle soit, à l'intérieur, sur et autour d'elle. Oui. Un contre la nocivité des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre les vaccins, quelle que soit la version. Oui. Et enfin, un contre les vaccinés, quelle que soit la version reçue. C'est fait. Tu programmes tous ces programmes pour être stable et indestructible. Oui. En même temps, adaptable à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. C'est fait. Installation de l'arbre de la fleur de vie, graine de vie et double lémniscate activé. Oui. Et à présent, elle crée son code de vie et l'active également. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Je vais tout d'abord éliminer toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, structure, vitalité et substance. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. À toi de jouer. À partir de son chakra du cœur, elle déploie une onde puissante, tourbillonnante, pétillante, qui vient englober tout son corps physique et tous ses corps subtils, tout son espace énergétique. Elle vient ensuite se stabiliser en un espace sécurisé à haute fréquence. Elle vient se placer au centre. Là, elle déplace doucement son atlas et ça vient dégager cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale, du haut en bas,
qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, et qui vient les relier les unes aux autres, et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance au fur et à mesure de sa descente. Arrivée à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses et sombres, c'est des mémoires compressées et des traumatismes. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source, jusqu'au chakra coronal. Mmh. Et stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Je présente à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De mon côté, j'élimine toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version originelle. Oui. Et que chacun soit connecté au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, structure et vitalité. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice, amour. Oui. Système cérébro-spinal. Oui. Système nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Système endocrinien, glandes, immunitaires, hormonales. Oui. Système digestif et métabolique. Oui. Système urinaire, émonctoire, évacuation, élimination. Oui. Système reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules de la peau et des tissus spécialisés. Oui. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécurisé et activé. Système visuel. Oui. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Système kinesthésique. Oui. Système dentaire avec le tableau général. Elle change le tableau. Bien. Alors, on élimine l'ancien avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui. Et elle le remplace avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle, en tenant compte des parties qui ne sont pas biologiques et en recréant toutes les connexions nécessaires sur tous les plans. Oui. Tu le stabilises, sécurises et pérennises. C'est fait. Système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycles vitaux, organiques et systémiques. Oui. Le tableau général de tous les systèmes. C'est fait. Et que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près
de la physicalité. À toi de jouer. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel sur lequel elle vient accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Donc ça vient créer des vibrations, des résonances dans chacun de ces tissus, organes, systèmes, jusqu'au cœur des cellules. Dans tous ces muscles, tendons, cartilages, jusqu'au système osseux. C'est toute sa physicalité qui vient se placer dans un nouvel état d'être, un nouvel équilibre. C'est fait. Micro-kiné. Elle vient actionner les points de correspondance et ça vient déployer harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. Massage métamorphique. Elle vient adapter à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est fait. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. À présent, système des chakras et des glandes associées. Je veux tout d'abord que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et donc que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activé. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Donc les corps associés aux chakras principaux. Combien en comptes-tu? Il y en a 7 activés. C'est bon. Centrage et alignement. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Nous allons à présent travailler à l'équilibrage et à l'harmonisation donc des 5 éléments. Nous commençons par l'élémentaire. Oui. Air. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Éther. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. À présent, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. C'est fait. Que les polarités soient rééquilibrées avec l'implant neutre pour les mettre au point zéro. Équilibré. Et pendant que son élémental continue le travail, nous prenons sa liste. Alors, bien sûr, je rappelle qu'il s'agit de l'ancienne ligne de temps pour obtenir des compréhensions et affiner le travail. Alors, on va commencer d'abord par tous les points de santé. Alors, pour ça, on va travailler globalement déjà toute la physicalité et tous ses corps. Donc tu vas faire l'inventaire de tous les traumatismes, toutes les blessures, toutes les programmations, les habitudes de fonctionnement, etc. Avec traces, mémoire, empreintes, etc. Quand tu as tout réuni, tu me le dis. C'est bon. Voilà. Tu tiens compte également de tous les endroits où il y avait cette fameuse grille qui a créé les traumatismes. Oui. Ok, alors on élimine tout. 1, 2, 3, sur tous les plans. C'est fait. Que chacune des parties concernées soit réinformée et stabilisée. Oui. Connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, structure, vitalité, substance. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Un apport d'énergie par son élémental, équilibrante et régénérante.
et de vitalité. Et on stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Voilà. Donc le fait qu'elle soit boulimique, on sait pourquoi. Tu as d'autres informations ou on en reste à ce qui a été vu? Non, c'est ce qui a été vu tout à l'heure. D'accord. Donc c'est l'énergie qui lui est pompée et elle compense en se remplissant dans un trou sans fin. C'est ça? Oui. Voilà. Alors, regarde simplement ici et maintenant. Si tu vois encore des programmations, si tu vois des habitudes de fonctionnement, des traumatismes ou toute autre chose. Donc il y a les deux, il y a des programmations et des habitudes de fonctionnement associées à des traumatismes et à des résonances. Très bien. Je veux que tu regardes où sont situées toutes ces programmations. Dans son système nerveux central, son système neuronal et au niveau cellulaire. C'est dans les cellules concernées. Ça va jusqu'au cœur des cellules. Est-ce que c'est bon? Oui. Très bien. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans et partout où ça se trouve, vu ou pas vu. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, on va réinformer chacune des parties et stabiliser. Oui. Connecté au cardiaque, cœur de Gaïa, essence. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. C'est fait. Voilà. Alors, regarde maintenant son système digestif et métabolique. Comment le vois-tu? C'est stabilisé maintenant, mais il y a besoin d'un apport d'énergie vitale. Allons-y. Stabilisant. Allons-y. Et c'est fait. Voilà. Est-ce que tu vois que son élémental a besoin de quelque chose également pour prendre une nouvelle habitude? Oui, d'installer de nouvelles programmations. Voilà. Donc, il va s'installer de nouvelles programmations. Pour cela, il va chercher l'information où c'est nécessaire pour voir ce qu'est un fonctionnement normal dans un système digestif, métabolique, en lien avec l'appétit, etc. Oui. Voilà. Il a toutes les informations? Oui. Alors, il va les programmer. Tu le programmes également dans le système neuronal, système nerveux central, système digestif et métabolique, et tout ce qui est en lien direct et indirect. C'est fait. Tu stabilises, sécurises et pérennises la programmation. Oui. Voilà. Bien. Alors, lorsqu'elle dit qu'elle a son appareil digestif qui est détruit, regarde chacun des organes, rate, pancréas, estomac, etc. Comment tu les vois? C'est irrégulier. L'énergie circule de façon irrégulière. Il y a comme des zones blanches avec des zones à réinformer. Ok. Donc, tu parles pour chacun des organes? Oui. Ok. Donc, tu fais ce qu'il faut pour réinformer chacune des zones blanches? Oui. Est-ce que tu vois qu'il y a des reconnexions à faire? Oui, aussi. Allons-y. C'est fait. Est-ce que tu vois qu'il y a d'autres choses à faire? Non, là, c'est correct. Ok. Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes son système circulatoire sanguin. Comment tu le vois? Il y a comme une sorte d'affaiblissement général. Oui. Mais là aussi, parce qu'il y a des zones qui n'ont pas été complètement réinformées et il y a un besoin d'apport d'énergie vitale complémentaire. Est-ce que tu vois des choses à éliminer avant? Habitudes de fonctionnement et traumatismes avec leur résonance. Ok. Regarde en même temps la circulation donc lymphatique et énergétique. On va tout traiter en même temps. Oui. Voilà. Donc tu fais le point de ce qu'il y a à éliminer. On le fait pour tous les trois. Oui, c'est bon. 1, 2, 3. On élimine tout. C'est fait. Maintenant, tu vas réinformer chacune des parties, toutes les zones blanches, etc., et stabiliser. Oui. Créer des reliances éventuellement, s'il y a besoin.
Oui. Et puis, donc, un apport d'énergie et de vitalité. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Comment tu vois la circulation sanguine maintenant? Elle est fluide. C'est fluide, c'est rapide. La circulation est correcte. Puisque toutes les zones sont informées maintenant correctement. D'accord. La circulation donc lymphatique. C'est la même chose. Et énergétique. Aussi. Parfait. Alors regarde maintenant son système glandulaire, tout son système endocrinien. Comment tu le vois sur le plan général? Il reste des réinformations à faire et des apports d'énergie vitale spécifiques sur les zones qui sont affaissées, énergétiquement parlant. Très bien. Alors, allons-y. Tu me dis quand c'est fait. C'est fait. C'est bon. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à faire? Non, là, c'est bon. La circulation donc va bien, les informations, tout ça, tout circule bien. Oui, tout s'est lissé, organisé, tout s'est placé en cohérence. Très bien. Alors, regarde maintenant son système neuronal. Pas de mémoire, ni de concentration, etc. Voilà, regarde son système neuronal. Comment le vois-tu? Les connexions neuronales, etc. Parce qu'il y a des zones entières qui sont désactivées, comme effacées. D'accord. Avant ça, est-ce que tu vois des choses à éliminer? Oui, des traumatismes. C'est pour éviter la souffrance que ces zones-là ont été désactivées. Ok. On va traiter le système nerveux central en même temps. Donc, tu fais aussi l'inventaire des traumatismes, de tout ce qu'il y a à éliminer, avec les échos et les résonances. Oui. C'est tout bon? 1, 2, 3, on élimine. C'est fait. À présent, tu réinformes les zones vides, refais toutes les connexions. Oui. Tu remplaces ce qui est défectueux. Oui. Voilà, est-ce que tu vois d'autres choses à faire? Un apport d'énergie, de vitalité? Oui. Maintenant, comment est-ce que tu vois son système neuronal? Toutes les connexions, les synapses, le système nerveux central et en lien avec tous les systèmes, fonctions, organes. Tout fonctionne en cohérence. Maintenant, tout est fluide, organisé. Et toutes les connexions sont là, actives. Bien. Très bien, ok. Le fait qu'elle ait du diabète, de l'hypertension, est-ce que c'est traité avec ou tu vois qu'il y a besoin de faire quelque chose de particulier? Il y a de son pancréas, par exemple, comment tu le vois? Mais ça s'est traité avec. D'accord, très bien. En ce qui concerne l'hypertension, est-ce que tu vois que ça s'est régularisé également? Oui, c'est calme, régulier, tout est correct. Très bien. Regarde sa thyroïde, elle a des nodules sur la thyroïde, bien que les glandes aient été traitées. On va regarder spécifiquement ces nodules. Comment tu les vois? Sur le plan énergétique, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. D'accord. Donc, on va habiter son élémental à affiner le travail sur la physicalité. Hein, dans tous les points qui ont été évoqués, qui restent à être évoqués, et tous ceux qui ne seront pas évoqués. Il fait le point, donc... De toutes les parties système fonction organe, il fait en sorte de tout rééquilibrer, nettoyer, éliminer ce qui doit l'être et de s'occuper de toute l'organisation de sa physicalité. Oui. Parfait. Elle a des allergies au chaud et au froid, enfin au froid et au soleil. Regarde d'où ça vient, des allergies au froid et au soleil. C'est l'élémental du corps physique qui a du mal à résister, qui a du mal à s'adapter, puisque toute son énergie était
concentré, arc-bouté, dans la résistance, dans le fait de continuer à exister dans la physicalité. C'est comme si la physicalité avait été poussée jusqu'au bord de ses limites. Donc tous les extrêmes ne sont plus occupés en quelque sorte par de l'énergie. D'accord. Alors avec tout ce qui a été fait, maintenant que tout l'équilibre, l'économie de la physicalité a été rétabli, est-ce que tu vois qu'il va rester quelque chose de ces allergies au froid et au soleil? Est-ce qu'il y a des habitudes de fonctionnement ou autre chose? Programmation? Oui, il y a des programmations de survie pour d'autres parties du corps. C'est comme si ça passait en deuxième. Donc, il faut éliminer ces programmations-là. Il y a des traumatismes, résonance et écho. Ok. Alors, on élimine partout où ça se trouve, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Maintenant, on va réinformer chacune des parties et stabiliser. Oui. Connecté au cardiaque, cœur de Gaïa, essence. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. C'est fait. Regarde maintenant comment elle va se comporter en relation avec le froid et le soleil. Maintenant, il y a adaptation aux extrêmes. Adaptation au chaud, adaptation au froid, ça se fait naturellement. Parfait. Donc, tu stabilises, sécurises et pérennises tout ça. Oui. Alors, démangeaison au chakra du cœur. Regarde, donc, qu'est-ce qui se passe? Bien qu'on en ait une idée. C'était le point d'accroche via l'interface des griffes de l'entité qui est au-dessus d'elle. Voilà, c'est ce qu'on avait vu. Hein. Est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose là maintenant? Oui, il y reste des mémoires traumatiques avec leur résonance. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Est-ce que tu vois qu'il y a quelque chose à faire encore? Un apport d'énergie vitale équilibrante. Allons-y. Et sécurisante. Sécurisante. Allez. Aussi. En équilibre et en sécurise. Tout en stabilisant. C'est fait. Comment est-ce que tu le vois maintenant? Calme, apaisé. Stable. Ok, alors comme il y a des démangeaisons, on va inviter son élémental à créer un boom pour toute sa physicalité, puisqu'il y a des démangeaisons bien sûr au chakra du cœur, mais tout ce qu'elle a dit au niveau de sa peau, visage, etc. D'ailleurs, d'où vient ces problèmes qu'elle a évoqués sur le visage et toutes les parties de son corps? C'est une réaction du corps physique. Qui ne supportait pas la brûlure énergétique du contact énergétique de ce filet coupant. Ok. Donc, ça concerne aussi ce fameux cancer de la peau, carcinome, au visage, au cou, bras, jambes, etc. On est d'accord? Oui. Oui. Est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose en termes de programmation, de répulsion, de réactivité? Il y a des programmations d'hyper-réaction de défense disproportionnées et qui viennent en fait ou qui venaient en fait se retourner contre elle. Elles sont où ces programmations? Système nerveux central, système neuronal et dans toutes les cellules de la peau, sur toute la surface du corps. Bien, alors on les élimine toutes sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, on va réinformer donc chacune des parties. Tu invites l'élémentaire en fait à trouver des informations pour avoir une relation normale avec maintenant la physicalité, faire en sorte que tout son système de l'épiderme soit harmonisé, équilibré, paisible. Oui. Voilà, ils installent la programmation. Oui. Pérennise, sécurise, pérennise. Sécurise, pérennise et équilibre. C'est fait. Très bien.
Est-ce que tu vois d'autres choses à faire par rapport à toutes ces problèmes de peau, démangeaisons, cancer, lupus au visage? Est-ce que tout ça est traité en même temps? Oui. Bien. Ok. Au niveau des yeux, donc elle a ce qu'elle appelle le macula, voilà, enfin ce qui peut aboutir à être aveugle. Qu'est-ce qui lui arrive à son système oculaire alors? Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est une réaction de défense pour éviter la souffrance, pour ne pas voir ce qui se passe. C'est comme si le corps physique, c'était, ou la conscience du corps physique, s'était retournée contre le physique lui-même et sur le système visuel pour ne pas voir ce qui se passe. Dans une réaction de protection, mais destructrice, hein, en ce qui la concerne. Alors, est-ce que tu vois qu'elle est programmée encore cette réaction de destruction? Elle est toujours là, oui, la programmation. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à éliminer également? Oui, les traumatismes et les résonances qui y sont associées. Alors, on élimine tout sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Est-ce que tu vois maintenant qu'il est possible de faire en sorte d'inverser le processus, c'est-à-dire ce qui était en train de se détruire maintenant se reconstruit. Installer une programmation de reconstruction de chacune des parties concernées. Oui, il faut installer la programmation inverse. Allons-y. C'est fait. Voilà. Est-ce que tu vois qu'il y a besoin d'autre chose? Envoyer de l'énergie, un rééquilibrant par exemple, pour faire des connexions ou autre chose? Oui, de l'énergie vitale de mise en route et de pérennisation de cette programmation-là. Allons-y, tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Voilà. Qu'est-ce que tu vois qui pourrait être fait encore? Non, c'est tout. Bien. Donc c'est stabilisé, sécurisé, pérennisé, hein, on est d'accord. Oui. Ok. Donc circulation sanguine, varices, œdèmes, tout ça a été fait. Alors, en ce qui concerne localement au niveau des jambes, les varices et les œdèmes, est-ce que c'est traité avec ou est-ce que tu vois qu'il y a besoin d'un traitement spécifique? Elle peut y faire un traitement spécifique apaisant sur les zones concernées par un apport d'énergie apaisante, lissante, calmante. D'accord. Et pour éliminer les œdèmes, tu vois qu'il y a besoin de faire autre chose, une dissolution éventuellement? C'est cette énergie-là qui est en action. D'accord, tu me diras quand c'est bon. C'est bon. Très bien. Et donc tu stabilises, sécurises et pérennises. Oui. Est-ce que tu vois qu'il y a autre chose à faire à ce niveau-là? C'est bon. Bien. Donc elle présentait des risques d'AVC. Est-ce que tu vois qu'avec ce qui a été fait, est-ce que tu vois que tout maintenant est régularisé? Tout est régularisé maintenant. Bien. Au niveau des dents qui se déchaussent, son incisive en haut à droite, qui a des soucis. Est-ce que tu vois que tout a été fait là aussi? Oui, ça a été travaillé tout à l'heure. Bien. Au pied gauche, arthrose, etc. Tout le côté gauche d'ailleurs. Est-ce que tu vois que ça a été travaillé ou tu vois d'autres choses à faire? Non, tout a été fait. Ce ne sont que des conséquences en cascade. Oui, ça a Très été bien. travaillé tout à l'heure. Ok. Alors pour clôturer ça, puisque maintenant en me référant aux travaux du docteur Fourtillant qui a découvert cette fameuse valantonine produite par la glande pinéale et qu'il propose lui-même en patch. Moi, je préfère la production naturelle par soi-même, mais ce qui est bien quand même. Hein. Regarde à son niveau à elle, regarde si sa glande pinéale produit cette valantonine et des doses qui sont, on va dire, nécessaire. Alors, il y a la possibilité que ce soit activé Voilà. et dynamisé, cette production-là. Alors, donc, vas-y, tu l'actives et tu dynamises. Oui. En sachant que ça favorise également le sommeil et toutes les fonctions d'auto-guérison. On est d'accord?
Oui. Voilà, maintenant tu vas le programmer pour être stable, équilibré et surtout pérennisé. Oui. Voilà, tu installes le programme, qu'à chaque fois la production se fasse donc en fonction des besoins, des nécessités. Oui. Voilà. Très bien. Donc au niveau de la santé, donc, et puis pour le reste, hein, son élémental, de tout ce qui n'a pas été nommé, son élémental fait l'inventaire de toute sa physicalité et il s'en occupe. On est d'accord? Oui. Il prend la formation là où il doit la prendre et pour chacune des parties, donc il fait ce qu'il faut. Il a les informations, il a maintenant les compétences et les connaissances, il fait ce qu'il faut. Oui. Très bien. Alors, on va continuer sur les autres points. Donc, beaucoup de décès dans les frères et sœurs, beaucoup de tristesse dans la famille, la mère, etc. Donc déjà, qu'est-ce qui se passe dans le fait que dans la lignée, il y ait autant de décès, autant de malheurs, on va dire? Mais c'est la programmation de la lignée qui génère cet état de fait. Ça pour... vocation à isoler les consciences les unes des autres, à les placer en état de tristesse, de solitude, de vulnérabilité, d'incompréhension mutuelle. Solitude. Très bien. Ok. Donc là, c'est pour la formation. Tout a été tout est régularisé, on est bien d'accord. Hein? Oui. Voilà, tout ça est disparu, il n'y a plus rien. Ok. Bon, le fait qu'elle soit émotive, une éponge émotionnelle, je pense que compte tenu de la situation, c'est normal, tu vois, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? C'est le corps émotionnel qui était complètement recroquevillé sur lui-même et désorganisé. Comment tu le vois maintenant? Il est lisse, stabilisé, déployé. Parfait. Le fait qu'elle ait vécu des situations d'inceste, donc, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? C'est la même chose, c'est la programmation de la lignée. Ok. Bien. Est-ce que tu vois qu'il en reste des traumatismes en elle de cet événement? Il en reste des mémoires traumatiques avec leur résonance. Alors, on va les éliminer. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Voilà. Et puis, elle comprend bien sûr que ça, c'est des programmations. Hein, que, voilà. Elle a compris que, comme je dis, personne n'est coupable, hein, compte tenu des systèmes matriciels en place. Voilà, voilà. En tout cas, bien, tout le monde sera invité, hein, pour travailler sur soi si bien sûr ils sont intéressés. Son mari alcoolique, manipulateur. Qu'est-ce qui fait qu'ils se sentent en même temps opposés et en même temps pareil avec des points communs? C'est quoi entre elle et son mari? Mais c'est une programmation. Ils ont été placés en présence l'un de l'autre pour générer toutes ces émotions basses de conflits, de colère, d'insatisfaction. Ça a été généré artificiellement. D'accord. Ok. Donc lui aussi sera invité pour la séance. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à tout ça alors? Qu'est-ce qu'on peut faire? Le fait que, en fait, ils se sont rencontrés par la voie manipulatoire de ces entités, c'est ça? Oui. Et c'est comme ce qui vient, c'est d'une pierre deux coups. Ça permet d'avoir sous la coupe énergétique, de maintenir dans une énergie basse de conscience en même temps, en les collant l'une à l'autre. Et ça fait comme une sorte de dissonance, de courant électrique entre les deux, qui à la fois les colle l'un à l'autre et à la fois génère des dissonances. Très bien. Donc en fait, c'est une incompatibilité qui n'arrive pas, c'est ça? Il y a une incompatibilité dans les deux, c'est ça, en gros? Oui, mais qui est générée. Alors, appelle son mari, fais-le venir.
Oui. Alors, on ne va pas le changer, bien sûr, hein. Simplement, tu lui proposes de voir le travail qu'on est en train de faire et qu'il prenne l'information de tout ce qui se passe par rapport à la lignée, par rapport aux programmations. Voilà, qu'il prenne connaissance de tout ça. Oui. Alors, il s'agit bien sûr de ne pas être dans l'accusation, hein, c'est pas ça du tout. Simplement qu'il prenne conscience de tout ça et tu lui proposes de, tout à l'heure, lorsqu'il sera invité, de pouvoir profiter de cette opportunité pour ben, se nettoyer, se libérer et que chacun retrouve son intégrité. Est-ce qu'il est OK avec ça? Oui. Voilà. Donc il sera invité tout à l'heure. Hein. Alors, donc, il y aurait eu de la magie noire. Regarde si de la magie noire a été faite. Bon, elle pense par rapport à son mari, de la part de son mari, mais regarde de ton côté déjà sur l'ancienne ligne de temps, s'il y a eu des travaux de magie noire de fait. Non, il n'y a rien d'extérieur Non, hein. qui C'est pas arrive ça là. du tout, hein. C'est tout ce qui a été créé par ces entités, on est d'accord. Ok. Donc, il n'y a pas eu de magie noire, et puis si ça avait été le cas, il n'y aurait plus rien aujourd'hui. Mais dans les faits, il n'y a pas eu. On est d'accord. Non. D'accord. Ok. Il y a Bien. comme des nuages noires, mais c'est généré par elle et par les basses fréquences qu'elle produit elle-même. Des quoi noirs, j'ai pas compris. Des. Comme des nuages noirs, mais qui sont générés par les basses fréquences qu'elle a produit elle-même. Oui, ses émotions. Et des pensées négatives, peut-être. Oui, et ça crée comme des sortes de nuages autonomes qui se détachent d'elle et qui prennent comme leur propre autonomie et qu'elle perçoit extérieure à elle-même et comme des attaques extérieures à elle-même. Ok. Bon, il n'en reste rien sur la nouvelle ligne de temps. Maintenant, là, non. D'accord, hein, on est d'accord. Ok. Bien. Alors, donc, la santé s'est faite. Donc, au niveau de la famille, hein, tout le monde autour d'elle est inoculé. Hein. Il y a quelqu'un qui ne l'est pas. Elle est un peu ostracisée par rapport à ça. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette situation? Ça rejoint toujours la programmation de la lignée où chaque conscience doit être isolée les unes des autres. Ok. Alors, est-ce que tu vois que elle a été contaminée par sa famille, puisqu'on sait que ceux qui sont inoculés sont contaminants. Est-ce que tu vois qu'elle a été contaminée de son côté? C'est venu affaiblir son système immunitaire. Très bien. Et maintenant, avec ce qui a été fait, est-ce que tu vois qu'elle est parfaitement protégée et nettoyée? Maintenant, oui. Parfait. Comment tu vois son système immunitaire? Là maintenant, il est dynamique, énergisé. Il est dans l'efficacité maintenant. Bien, parfait. Ok. Donc elle est très attirée par les médiums. Hein. Apparemment, elle voit beaucoup de médiums. Voilà. Donc on lui dit des tas de choses. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport au fait d'aller voir tous ces médiums? Est-ce que ça lui a été utile ou pas? Non, c'est comme une fuite en avant, une recherche à l'extérieur de réponses qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Est-ce que ça lui a coûté quelque chose, à part bien sûr de l'argent, mais sur d'autres plans, est-ce que en voyant tous ces professionnels, est-ce que ça l'a connecté ou ça a contribué? Parfois oui, parfois non. Mais il y a eu des fois où son énergie a été aspirée encore plus fortement, comme une proie. Ok. C'est-à-dire qu'elle a été la proie d'aspiration d'énergie supplémentaire au travers de médiums. Pas tous, mais parfois. Voilà. En tout cas, c'est important qu'elle ait l'information. Bon, le mieux, c'est d'arrêter carrément, hein. Et puis, ben, tout ce que tu cherches à l'extérieur, tu l'as à l'intérieur. Il va falloir te faire confiance. D'accord? Si c'est pour te reconnecter à certaines énergies, bon, ce serait dommage, hein, qu'on ait travaillé pour rien.
Ok. L'information comme quoi elle aurait été guérisseuse et passeur d'âme par une de ces médiums, une ou un, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Cette information est venue parce que son espace énergétique n'était pas fermé, c'est-à-dire qu'elle était en lien avec d'autres mondes, et notamment avec le monde, ce qu'on appelle le monde des morts, mais sans les portes toutes ouvertes, sans aucune sécurité. C'est ce qui a fait dire au médium ça, qu'elle avait ses capacités de passer sous d'accord. Ok. Bon, maintenant, au niveau de ses capacités intérieures, quel genre de qualité tu y vois elle, dans ses possibilités d'expression de sa créativité Bah, tout est possible, mais dans le, on va dire dans l'urgence, c'est vraiment son espace énergétique à sécuriser et à garder sécurisé. Oui. Ok. Donc, dans un premier temps, s'occuper d'elle, de sa métabolisation, et après, tout lui viendra. Les aspirations, les envies, les désirs, et elle saura ce qui lui donne du bien, du plaisir, de la joie. Hein? Voilà, donc il n'y a pas de fonction particulière à endosser. Les choses se font par elles-mêmes. Très bien, c'est important qu'elle l'entende. Alors, au niveau de son habitat, donc apparemment, il y a de nombreux problèmes, hein, des conflits, de la malfaçon dans les rénovations, les appareils qui tombent en panne, on a changé le nom de sa rue, bon. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à tout ça? Des bruits dans les murs, un environnement d'eau stagnante? Il y a interférence entre sa propre situation énergétique et le lieu lui-même, qui est de basse fréquence avec des mémoires et des courants telluriques souterrains. D'accord. Donc, ce qui ne doit pas l'arranger. Hein. Bien, on s'en occupera tout à l'heure avec en regardant le domicile. Hein. Voilà. Donc, bon, pour le reste, tout est traité en même temps. Hein. Le reste, je pense qu'on va regarder son corps mental. Je veux que tu vois toutes les programmations limitantes et toutes les croyances qu'il a développées à partir de ça. Il y a comme une sorte de casque sur le corps mental qui vient imposer des programmes de limitation. Et qui la mettent toujours dans un état de réaction. C'est écrasant et ça vient générer des réactions de survie. Ça, c'est ce qui vient peser lourdement sur le corps mental. Ok. Bien. Maintenant, quelles sont les programmations donc, inhérentes à cet ancien état? Enfin, les croyances limitantes, pardon. Qu'elle doit toujours lutter, qu'elle doit toujours trouver un moyen de survivre, qu'elle doit toujours être à la recherche d'un nouvel équilibre. Il n'y a pas de possibilité de, en tout cas c'est ce qui lui apparaît, qu'il n'y a pas de possibilité de rester en place tranquillement et en sécurité, énergétiquement parlant. Et qu'elle doit toujours se tenir sur le qui-vive, en survie. Bien. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce que toutes ces autres parties ont vu, entendu, compris, intégré, qu'est-ce qu'elles en pensent? Ce sont simplement des conséquences de cette programmation qu'il y avait sur le corps mental. Est-ce que tu vois qu'il en reste encore quelque chose là? Oui, des habitudes de fonctionnement, des traumatismes et des résonances. Ok, alors on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà, et en ce qui concerne bien sûr Victoire, les habitudes comportementales, elle les visitera et puis elle fera en sorte de les travailler un petit peu, sans se faire violence, mais... Ouais. Très bien. Maintenant, je veux que tu regardes sur l'ancienne ligne de temps,
son corps émotionnel, toutes les émotions et les sentiments qui étaient liés à cet ancien état, ancienne situation. Il y a de la colère, du rejet d'elle-même, de ce qu'elle est, de ce qu'elle croit être, de la honte, de la culpabilité, dépréciation, dévalorisation d'elle-même, souffrance émotionnelle et grosse perte d'énergie. Au niveau des 5 blessures principales qui sont rejet, abandon, humiliation, trahison et injustice, lesquelles sont prédominantes chez elle et comment s'expriment-elles ? Il y a l'humiliation de se trouver dans cette situation d'incarnation-là. Si elle n'arrivait pas à gérer cette situation d'incarnation-là, dans laquelle elle se ressent seule, abandonnée, sans défense, dans laquelle elle a cette sensation d'être toujours en survie. Elle ressent l'injustice de cette situation-là. C'est vraiment l'humiliation qui vient en premier. La honte et l'humiliation. Et cette sensation d'être abandonnée et trahie aussi par son soi supérieur. Ça, c'est une sensation simplement de la partie physique qui n'est pas la réalité, mais c'est une sensation. Elle a mis en place tout un système de survie comme une sorte de fuite en avant, comme si elle sautait, tu sais, comme dans ces jeux vidéo où tu sautes de plateforme en plateforme. Mmh. Les premiers jeux vidéo de plateforme. Ouais. Je vois ça, oui. Pour fuite en avant, et en même temps, dans cette fuite en avant, elle est obligée de se couper d'elle-même, dans une forme d'auto-sabotage, de laisser des parties d'elle-même en arrière pour pouvoir continuer à avancer. Et à chaque fois qu'elle passe sur une autre plateforme de survie, elle perd. Ça la fait descendre en fréquence et elle perd des parties d'elle-même. Donc elle finit par se perdre dans les méandres d'elle-même. Est-ce que c'est bon? Bien, donc il s'agit bien sûr de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et des tenants et des aboutissants. Maintenant, sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce qu'il en reste quelque chose? Il reste des habitudes de fonctionnement, des empreintes traumatiques, des mémoires, des résonances et des échos aussi. Très bien. Alors, on élimine tout ça depuis leurs propres sources respectives. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il en reste quelque chose. Non. Remonte aussi loin que possible. Non, il n'y a plus rien. Elle a éliminé tout ce qui est resté. Parfait. Alors maintenant, je veux qu'elle prenne conscience, toujours sur cette nouvelle ligne de temps, de ses connexions avec la source, par son intention et son attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque et qu'elle en ait tous les ressentis, toutes les sensations. Oui. Comment la vois-tu maintenant ? Apaisée. Elle s'est arrêtée dans sa course folle et de survie. Et maintenant, elle est tranquille, apaisée, dans le ressenti de l'instant présent. Elle apprécie cette tranquillité intérieure. Mmh. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir d'autre ? Du plaisir. Le plaisir d'être là dans l'instant présent. Voilà. Alors, dis-lui. Donc, je veux qu'elle le vive pleinement, qu'elle le ressente totalement et qu'elle l'apprécie de plus possible, qu'elle le savoure. Oui. Et elle va installer une programmation selon laquelle, chaque fois qu'elle en aura envie, elle pourra sentir donc cet état, envie ou besoin, même s'il est là en permanence, le ressentir. Oui. Et elle va le programmer également dans toute sa bulle de réalité, toutes ses bulles de création, dans chacun des secteurs, que ce soit son couple, que ce soit sa maison, la famille,
que ce soit professionnel ou matériel, financier, enfin tout ce qui constitue le tissu de son existence. Donc, reçoit toutes ces énergies, ces informations, ces ressentis. Oui. Tu stabilises, sécurises et pérennises. Oui. Et maintenant, nous partons de la source. Je veux savoir comment vit-elle cet événement que l'on appelle communément la séparation et qui est généralement vécu comme un traumatisme. Comment ça se passe pour elle dans ces nouvelles conditions? Elle garde l'intention ferme et la volonté puissante de toujours garder en elle présente la mémoire de ce qu'elle est, de son essence divine, dans tout type de manifestation d'elle-même. Dans tout type d'incarnation, quel que soit l'espace, le temps et quelles que soient les circonstances. Que ressent-elle au sortir de la source, avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités, et même de cette existence en tant que victoire? Et du plaisir d'anticipation, de la pétillance. Et de l'envie de participer à toutes ces expériences là qui se présentent devant elle. Bien. Quel point de temps de le ressentir pleinement et de l'apprécier, de le savourer également. Oui. Elle va le rajouter à sa programmation. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Et à présent, elle ramène tout ça ici et maintenant, comme un téléchargement, toutes les parties d'elle, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, toutes ses parties. Oui. Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, dans sa liberté, son autonomie, son unité, un équilibre parfait, une parfaite intégration dans son corps, des connexions parfaites, une puissance créatrice illimité et l'amour qu'elle est. Oui. Elle se sent maintenant à sa place partout où elle se trouve. Oui. Le sentiment de sa propre dignité. Oui. Le sentiment de sa légitimité. Oui. Et celui de sa propre valeur, quels que soient les choix, quels que soient les résultats, quel que soit ce qu'elle ait vécu ou qui reste à venir, elle sait que tout est juste, tout est à sa place, tout a sa fonction utile, que tout est une occasion d'apprentissage, de compréhension et de progression. Oui. Et tout en ressentant cet amour qu'elle est par nature, elle passe par chacune des vies passées, humaines et autres, jusqu'à la source. Et chacune d'elles se réinforme de cet état d'être, de ce ressenti, de cet amour qu'elle est inconditionnel. C'est fait. Elle revient ici et maintenant et la boucle est bouclée. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Comment la vois-tu à présent? Apaisée, tranquille, il y a une joie intérieure qui est là, profonde, un bien-être, le plaisir d'être là, dans l'incarnation et dans l'instant présent. Très bien, alors ça va être le moment des invitations. Mmh. Alors on invite ses deux enfants avec les petits-enfants et les compagnes, compagnons bien sûr, son mari... Mmh. Sa famille en général et tous ses amis de cœur. Oui. Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et leur propose à chacun de profiter de cette opportunité. Oui. Est-ce que tout le monde choisit d'en profiter? Oui. Donc le mari et les enfants aussi? Et les petits-enfants, tout le monde? Oui. Bien. Donc, ils vont prendre la formation, y compris pour l'inoculation. Hein, ils vont faire tout ce qu'il faut. Donc, elle leur montre ce qu'elle est en train de faire. Demande-leur s'ils acceptent un petit coup de pouce avant de commencer. Oui. Alors, puisque chacun me donne sa permission, en leur nom, je vais éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux.
jusqu'au plan archiavélique, sans oublier personne. Éliminer tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toutes bulles de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les différents états de conscience, dans tous les plis et replis des espaces-temps, et dans tout ce qui est connu et inconnu en général. Je compte à trois et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Chacun se place dans une bulle christique de protection, secret des racines jusqu'au cœur des Gaïa, programmé uniquement pour cette existence. Se connecter à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Victoire pour elle-même, adapté bien sûr chacun à sa propre situation. Oui. Et continue bien sûr sur ce que nous allons faire, donc jusqu'à la douche finale. Oui. Victoire à Ujo. Très bien. Tout le monde s'est mis à l'œuvre. Ok. Donc, on va regarder au niveau des désincarnés. Hein? Donc, regarde ces deux parents. Est-ce que tu les vois ensemble ou pas? Alors, ils ne sont pas ensemble, mais ils sont dans la même bande de fréquence. Alors, est-ce qu'il faut les traiter un par un ou est-ce qu'on peut les faire les deux en même temps? Non, ça peut être ensemble parce qu'ils sont vraiment dans la même bande de fréquence dans l'astral, qui est assez lourde, sombre et dense. Ok. Alors, on va faire une chose que je n'ai pas encore fait jusqu'à présent. Tu vas inviter tous les autres désincarnés qui peuvent venir, mais on ne va pas s'occuper d'eux. Ils vont prendre la formation et ils vont s'inspirer de ce qu'on va faire pour le faire pour eux-mêmes. D'accord. Nous, on s'occupe que des parents. Oui. Voilà. Donc, ces parents, tu les vois sur quel plan et dans quelle situation? Mais c'est ce que je viens de dire, c'est dans l'astral, mais sur un plan assez bas, dense, lourd et sombre. Ah oui, ok. Bon. Tu peux communiquer avec eux? Oui. Vérifie leur ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'eux. Ah oui, ce sont eux. Voilà, tu t'approches d'eux, tu leur montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie. Et demande-leur s'ils veulent un coup de pouce. Oui. Voilà, donc pour tous ceux qui sont présents également, peuvent faire la même chose. Donc, puisqu'ils acceptent un petit coup de pouce, ils se connectent directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice, amour. Touchés en plein cœur et dans leur conscience, que se passe-t-il pour eux? Il y a comme une élévation de conscience qui se passe, une montée en fréquence. Ça s'allège et ça s'éclaircit. Bien, demande-leur ce qu'ils veulent faire maintenant. Est-ce qu'ils veulent remonter à la source, respectivement, ou continuer leur chemin en toute liberté, souveraineté et sécurité? En remontant à la source, l'un et l'autre. Tous les deux, d'accord. Ok, alors dis-leur que pour en profiter pleinement, et c'est bon pour les autres, qu'ils le choisissent, il est nécessaire qu'ils récupèrent toutes leurs énergies laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'ils coupent avec tout ce qu'il y a à couper. Ils se libèrent et ils libèrent tout et tous. Sur tous les plans. Oui. Regarde s'il reste quelque chose. Non, il n'y a plus rien. Bien. Alors, avant de remonter, est-ce qu'il veut s'exprimer, dire quelque chose? Donc, à Victoire. Oui, il y a cette énergie du soulagement et de légèreté qui est là. Il la remercie. Il y a l'envoi d'une onde d'amour jusqu'à elle, une onde d'amour universel.
Puis remonte l'un et l'autre. Bien. Alors, nous les saluons. Et puis tous les autres qui l'auront choisi aussi. Oui. Bien. On revient donc à Victoire. Alors, est-ce que tu vois des liens toxiques, quels qu'ils soient? Oui. Donc, on coupe tous les liens et dissout toutes les racines. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Est-ce que tu en vois d'autres? En arrière-plan encore, oui. Idem. 1, 2, 3. Oui. En vois-tu d'autres? Non, c'est bon. Bien. Maintenant, on va dissoudre les liens des noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve que ce qui est important pour elle. Donc, on coupe les liens et on dissout également les racines. 1, 2, 3. Oui. Est-ce que tu en vois d'autres? Non. Bien. Alors, couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve, avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. C'est fait. Couper, désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang, dans le corps d'autres personnes, des ongles, des cheveux, des cellules, etc. Voilà, donc le comme dans les dons du sang ou du sang prévu quelque part. Hein. Cheveux, ADN, cellules, sur tous les plans, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de ces corps subtils et physiques, qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou donc création volontaire et délibérée. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. De son espace moronciel, elle récupère toutes ses énergies. Oui. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur flore de vie, graine de vie et double lémiscate activée. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro qu'elle peut activer à tout moment par l'intention. Oui. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir dès maintenant. Et toi également si tu veux. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Que la cellule mère soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. C'est fait. Guérison instantanée pour toutes les parties qui le nécessitent. Elle place sa conscience dans l'espace moronciel. Oui. Pour chacune, elle fait descendre information originelle, énergie et code. Oui. Elle installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation de flore de vie, graine de vie et double lémiscate activée. C'est fait. Et elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire. Oui. Et bien sûr, elle s'applique sur la peau comme un lifting. Oui. Voilà. Et tu vas le programmer pour être stable, équilibré et pérennisé. C'est fait. À présent, nous allons revenir sur l'ADN avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Combien vois-tu d'hélices présentes? Combien sont connectées et activées? Il y en a six de connectées et 5 d'activées. Elle peut activer la sixième? Oui. Allons-y.
C'est fait. Rajouter de nouveaux programmes. Oui. Allons-y également. Dis-moi quelle différence ça fait pour elle. Ça vient comme consolider et sécuriser ses liaisons énergétiques. C'est fait. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Maintenant, j'aimerais que tu me dises combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance. Entre 9 et 14 mois. Entre 9 et 14. Est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? Oui, des sensations de légèreté, de lâcher prise, de bien-être. Légèreté. Est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 9 à 14 mois, plus ou moins, suivant sa propre attitude? Des sensations qui reviennent ponctuellement, de lourdeur, d'anxiété, cette sensation d'emprise sur elle, comme si l'ancien revenait. Mais c'est le mental ego qui cherche à se raccrocher à l'ancien qui n'est déjà plus là, parce que le nouveau n'est pas encore complètement installé. Ok, besoin de ses repères, quoi. Ouais. Mmh. Donc, on va lui donner ses repères, ses nouveaux repères. Tu vas dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie et dans sa meilleure version. Dis-moi, comment elle se sent? Elle se sent bien, tranquille, sécurisée, pleine de joie et pleine d'énergie intérieure. Bien. Alors, donc qu'elle prenne le temps de le ressentir pleinement et de le savourer, de l'apprécier. Oui. Et elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement, toute sa partie, toute sa physicalité, tous ses corps, son mental ego, son aller mental, sa conscience cellulaire. Et pour chacun, ça devient le nouveau repère, la nouvelle situation. Ça devient même une habitude. Oui. Voilà. Chaque partie d'elle se programme à cette habitude dès maintenant. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Voilà. Et en ce qui concerne Victoire, bien sûr, elle saura que ça, y aura forcément des mouvements, il y aura forcément des inconforts. En restant calme, optimiste, joyeuse, confiante et dans la gratitude pour toutes les parties qu'il travaille, tu pourras faire accélérer le processus et qu'il soit de plus en plus complet. Voilà. Bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu regardes son domicile. Oui. Voilà. Donc, il y a la situation qu'on a évoquée tout à l'heure. Donc, elle a été parachutée dans ce domicile-là, dans ce contexte. Elle y a été attirée. Elle y a été attirée, hein. D'accord. Ok. Alors, comment tu le vois dans les sous-sols? Tu m'as dit que tu avais des courants telluriques, c'est ça? Mmh, oui. Ok. C'est des croisements ou c'est des courants simples? Des croisements. Ok. Et comment tu vois le domicile autrement à l'intérieur? L'énergie est lourde, sombre et dense, avec des mémoires des murs lourdes aussi. Ok. Donc, elle dit qu'elle entend aussi des bruits dans la maison. Est-ce que tu vois qu'il y a des entités? Oui, parce qu'il y a des passages d'ouvert. Donc, il y a des passages d'entités. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, on va s'occuper déjà des sous-sols. Tu vas faire une dalle suffisamment épaisse pour que plus rien ne puisse passer, avec des évacuations pour que ça ne stagne pas dessous, qui évacuent les énergies loin, bien sûr, des autres habitats pour ne polluer personne. C'est fait. Voilà, tu le programmes pour être stable, équilibré, surtout indestructible. Oui.
À présent, elle va nettoyer toute la maison, la mémoire des murs, fermer les portes, faire une puissante tornade, tout nettoyer, y compris l'extérieur. Il y a ce fameux ce point 2 ou ce point 2 stagnante. Vois ce qu'on peut faire dans ce point 2 enfin, stagnante aussi. Est-ce que tu peux, on peut faire un nettoyage? Qu'est-ce qui peut être fait là? L'isoler. L'isoler? Mmh. Ok. Alors, fais ce qu'il faut pour l'isoler. C'est fait. Ah, tu le programmes lui aussi, hein? Oui. Voilà. Donc, une puissante tornade partout, sur tous les plans. La mémoire des murs, elle ferme toutes les portes, elle nettoie tout partout, à l'intérieur et à l'extérieur, sur tous les terrains qui appartiennent à la maison. Oui. Voilà. Comment est-ce que tu vois la maison maintenant? Elle est claire et lumineuse maintenant. Donc, le nom de la rue a été changé. Est-ce qu'il y a eu, est-ce que c'est une cause ésotérique ou pas? C'est en raison du brouillage énergétique qui se manifeste sur le plan physique par une désorganisation, une sorte d'effet brouillon dans l'identité. C'est comme si l'identité du lieu n'était pas claire. D'accord. Est-ce que maintenant elle l'est ou est-ce que tu vois qu'il y a quelque chose à faire? Non, maintenant ça s'est stabilisé. Oui. L'identité s'est stabilisée. Très bien. Donc là, il n'y a plus rien à faire. Non. Alors, elle installe partout, à l'intérieur et à l'extérieur, des fleurs de vie, graines de vie et double lémiscate activée qu'elle sécurise. Oui. Sur son comptoir électrique, qui n'est pas un linky, elle y met un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activée qu'elle sécurise. Oui. Sur tous les plafonds, un gros boîtier qui va filtrer l'air et nanotechnologie. Oui. Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, régénérant, rafraîchissant, qui favorise le sommeil. Un sommeil profond et récupérateur, avec un son et un parfum qui se module. Oui. Voilà, et tu le sais, stabilise, sécurise. C'est fait. Et maintenant, elle remplit tout son espace de sa propre énergie, de sa présence. Oui. Elle le met dans une bulle christique de protection, elle et les autres occupants, mari et animaux, s'ils le désirent, et s'il y en a. Mmh, c'est fait. Voilà. À présent, nous allons programmer les protections des différents états de conscience et on sécurise. Oui. Relier le début et la fin de la séance et on sécurise. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie et dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elle vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. À l'intérieur, son élémental. Oui. Toutes ses bulles de création et ses bulles d'intention. Elle y met, c'est comme sa boîte à souhaits, elle y met tout ce qu'elle veut. Son déménagement, tous ses projets, ses désirs, pourquoi pas l'harmonie dans son couple, hein, tout est possible. Ou, enfin, elle verra bien tout ce qu'elle souhaite. Hein. Voilà. Mmh, oui. Par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activée. C'est fait. Autour le corps diamantin, en protection contre les influences de la conscience collective et on sécurise. Oui. Nous allons programmer la protection de toute la phase de métabolisation et de toute la séance, du début jusqu'à la fin, sur tous les plans. Tous les espaces-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractal, multidimensionnel et quantique, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Que chacune soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. Voilà. Maintenant, avant de demander à son soi supérieur ce qu'il en pense, on va rajouter la programmation pour lors de sa désincarnation. À quelques moments qu'elle ait lieu et dans quelle que soit la ligne de temps, elle programme cette désincarnation en toute la sortie de son corps en toute sécurité,
toute autonomie, toute souveraineté, qu'elle remonte à la source directement ou qu'elle choisisse de continuer son chemin. Oui. Voilà, stabilise, sécurise et pérennise cette programmation. C'est fait. Et maintenant, on va demander au soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, il y a la connexion directe entre le soi supérieur et la partie physique. Est-ce qu'il a des conseils à donner à sa partie physique qu'il écoute ? Oui, que la partie physique reste attentive à ses signaux intérieurs, à ses intuitions, qu'elle reste centrée sur elle-même, ce qui crée son propre alignement intérieur et ce qui active cette ligne de communication sécurisée avec le soi supérieur. Bien. Comment est-ce que tu vois son âme à présent ? Elle s'est comme purifiée, lavée, allégée, débarrassée de tout ce qui était trop lourd, sombre, comme si elle avait laissé ses bagages inutiles et lourds. Il y a l'apaisement qui est là. Comment vois-tu sa partie subliminale ? Elle s'est réorganisée énergétiquement parlant, réénergisée et rapprochée de la partie physique. Bien. Et son sens supérieur donc est complètement dégagé, je suppose, du monde archéologique. Oui. Hein ? Oui. On est d'accord. Très bien. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Victoire, en ce jour de renaissance pour elle. Oui. J'ai un peu taquiné avec son prénom. Hein. Bien. Donc, est-ce que tout le monde a terminé le travail ? Oui. Alors, chacun est invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous ces taux de trio de fréquences composés de son, lumière, couleur, énergie, rayon, parfum, géométrie, information originelle, etc., chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activé. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière mère, idem. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de victoire avant la séance et quelle est-elle à présent ? 34 et maintenant 165. Bien. Alors, chacun va sortir de son portail, le fermer derrière soi et y retourner à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour ? Oui. Bien. Coucou. Comment te sens-tu ? Bien. Allez, à nous. Victoire, tu peux remettre le son. Merci, gratitude infinie. Je suis super joyeuse, je me sens super bien. C'est magnifique. Bon, ça t'a parlé de ça ? T'as senti des choses pendant le travail ? Ah oui, oh ben oui hein, ça sortait des rots. D'ébaillement, d'atout, et puis je sentais où ça circule. C'est bon. Ça, j'ai mal aux genoux, là, pour le moment, en ce moment. Oui, c'est le travail. Hein. Tu, voilà, tu, ça tu accueilles tout comme ça. Hein. Ça travaille partout, mais je me sens très joyeuse. Je suis contente. Bon, j'espère que tu nous donneras des nouvelles par mail, à nous dire comment les choses se passent pour toi, ce qui bouge, change, évolue. Hein. D'accord. Voilà. Et puis, tu connais mon conseil de revoir ta vidéo. Alors, bon, pas d'une façon boulimique. Hein. Mmh. Hein. Tranquillement, de temps en temps. Bon, s'il y a des moments où tu sens des inconforts, bah, tu y retournes, tu vois. Voilà. Mais tranquillement. De toute façon, tout ça, ça c'est déprogrammé. Donc, voilà. Sois confiante. Même si tu as l'impression que c'est encore là, c'est pas grave, tu es confiante. D'accord ?
tout se fait en son temps, à son rythme, voilà, avec comme la mer, tu sais, des vagues qui vont, qui viennent, t'es tranquille. Tu observes tranquillement, hein, stoïque, pourquoi pas joyeuse, hein. D'accord ? D'accord, merci beaucoup. Donc, je te remercie, merci à Emmanuel pour son travail merci excellent, Emmanuel. Comme d'hab. Ah, n'est-elle pas merveilleuse ? Oh, c'est merveilleux. Bon, merci la vie. Bon, la vidéo toujours floutée, je suppose. Hein? Oui. Bon, très bien. Eh ben, on va faire comme ça. Et puis, très bonne soirée. Et puis, à bientôt pour les nouvelles. À bientôt. Merci. Au revoir, Victoire. Bonne soirée.